Et donc salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on est ici présent à Rennes. Comment vous allez les gars? Ça va. Ça fait plaisir, vous êtes avec mes petits croutons. Il y a aussi les INHV qui sont là. Il y a Fab, le monteur, il y a Ertis, il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller faire un dodo. Aujourd'hui c'est une vidéo hypnose les gars. Qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement être tous hypnotisés. Enfin on sait pas. On sait pas combien d'entre nous. En tout cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à ma chaîne, à celle de Pierre qui va hypnotiser tout le monde. Mais du coup tu vas faire quoi Pierre là? Alors là on va les tester. On va savoir qui est réceptif rapidement ou pas. Pourquoi? Parce que c'est important. Moi j'ai lu des commentaires dans la première vidéo, ça m'a saoulé. Ouais c'est vrai qu'à la première vidéo il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était du fake. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils savent pas ce que c'est l'hypnose. L'hypnose c'est simple, je vais leur expliquer à eux en détail. Mais c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Donc en gros pour symboliser le truc, quand tu t'endors devant la télé, ouais, devant YouTube, et que tu es en train de te dire eh merde j'ai pas éteint l'ordi, et tu pars en sommeil, bah, cette phase là où tu as le temps de penser que t'as pas éteint, t'es en hypnose. Okay. Donc tu vois tout le monde le vit entre 2 et 90. Je suis chaud, on s'installe, tu me dis. Explique un petit peu ce que c'est l'hypnose. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait hypnotiser ou pas? À part Inox vite fait. Et moi ça avait pas marché 3 fois. Et à la fin de la vidéo j'avais testé, a réussi à me faire tomber par terre. Ouais je l'ai balayé. Pourquoi? Parce que justement, et ça c'est important, tout le monde sans exception est réceptif à l'hypnose. D'ailleurs dans la première vidéo il y a un de tes potes qui disait moi je suis un bonhomme jamais. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. La seule différence qu'il va y avoir entre les individus, c'est si on est réceptif rapidement ou pas à l'hypnose. L'hypnose, elle nous est nécessaire à tous pour nous reposer, pour mémoriser des choses. On la vit tous plusieurs fois par jour. Ça, c'est la base. Donc, tout le monde est réceptif. Tout à l'heure, je vais vous tester pour savoir qui est rapidement réceptif, qui n'est pas rapidement réceptif. Il y a 2 choses qui peuvent empêcher l'état d'hypnose d'intervenir. Première chose, c'est si on a trop bu. Quand je dis. Trop bu d'eau. Bah, on saura pourquoi ça marche pas. Trop bu, c'est au point de pas tenir debout, tu vois, au point de pas comprendre ce que je dis. Pourquoi? Bah, rappelle-toi la dernière fois que tu t'es bourré la gueule. Je me rappelle pas en fait. Mais t'avais qu'une seule envie, c'était pas pisser. J'ai vu dans ses yeux, il allait me dire pisser le front. Mais oui, mais je sais, j'ai vu. Non, pas pisser, mais t'as envie de dormir. C'est vrai que quand t'as trop bu, t'as envie de dormir. Et donc c'est très facile pour moi de faire dormir quelqu'un qui a envie de dormir. C'est la base. La deuxième chose, c'est si on a trop fumé. Et pareil, je parle pas de Marlboro. Parce que quand on a trop fumé, le THC qui est contenu dans le cannabis déclenche de la parano. Et la parano, c'est de la peur. Je te fais l'explication et après je réponds à toutes vos questions. J'ai l'impression, non. Vous savez, des fois, quand le soir vous vous endormez en écoutant de la musique ou en regardant une vidéo, t'endors et en même temps t'as le temps de te dire merde j'ai pas éteint le... assez conscient pour entendre que ça marche derrière et te dire merde j'ai oublié d'éteindre, mais trop inconscient pour ouvrir les yeux et faire l'effort d'éteindre ce que t'es en train de regarder. En fait on n'obéit pas aux ordres hypnotiques par contrainte, t'es pas obligé d'obéir aux ordres, c'est parce que t'es tellement bien, t'es tellement dans un état de bien-être que forcément bah, pour rester dans cet état de bien-être tu obéis aux ordres. Là j'appuie, ça éjacule. C'est pas ça jute quoi, tu vois, c'était c'était ça poum, ça monte direct, ça rac. Inox, tu veux tester parce qu'apparemment c'est il a fait ce film d'avant. Alors je vais vous demander voilà, d'avoir de pas être appuyé contre le truc, d'avoir votre propre équilibre et surtout de voilà que je puisse tu vois, un peu passer le regard, il a le regard du mec qui flippe quand même. Fais-moi confiance. Vous allez mettre le bras le long du corps, écarter les jambes d'à peu près 20 cm. T'as dit tu divises par deux. Donc bien les bras le long du corps, dans quelques instants, ne faites rien pour l'instant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et sur chacun des chiffres, vous allez effectuer une action. Regardez bien, sur le 1, vous joindrez les mains. Sur le 2, vous joindrez les mains comme ça, l'index, 1 cm, 1 cm. Et demi, vous ne fixerez uniquement que le bout de vos index. Peu importe ce que vous allez entendre autour de vous, peu importe ce que vous allez ressentir, fixez uniquement le bout de vos index et vous vous laissez porter sur le son de ma voix. 1, vous joignez les mains, les pouces à hauteur du front. 2, vous croisez les doigts. 3, vous écartez les index, 1 cm, 1,5 cm, vous fixez uniquement le bout de vos index. Uniquement le bout de vos index, et à partir de maintenant, je viens prendre une vis et un boulon et je viens serrer. De plus en plus, jusqu'à se toucher, se coller, se visser, complètement visser, coller, serrer. Le bout de vos index, uniquement le bout de vos index. Demandez maintenant à tous les gens qui ont les doigts collés, vissés, serrés, de fermer les yeux volontairement ou fermer les yeux maintenant. La personne que je touche, seulement tu ouvres les yeux maintenant, fixe le bout de tes index. Et tu te rends compte que plus l'index se rapproche et plus la sensation de bien-être augmente en toi, plus l'index se rapproche et plus tes yeux deviennent lourds. 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. Ta vision périphérique se trouble et regarde 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien calme, relâché. Toi aussi sur le compte de 3, tes yeux vont se fermer hermétiquement totalement. 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien calme. De plus en plus, la personne que je touche seulement, tu ouvres les yeux maintenant et toi aussi regarde 1, 2, 3, sommeil profond, bien calme, relâché, je t'enfonce tranquillement, toi aussi au plus profond de toi-même. Sur le compte de 3, tes yeux se ferment hermétiquement totalement. 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. Totalement 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. 1, 2, 3, sommeil profond, bien calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement. 1, 2, 3, et tes doigts se décollent maintenant, tranquillement. 2, 3, sommeil profond, tu es bien calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. Vous êtes totalement collé, vissé, serré, sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter, et je compte 3. Vos yeux s'ouvrent maintenant. Compte 1, 2, 3, tes yeux s'ouvrent maintenant, tu es complètement vissé, collé, serré. Ça va? Ouais. On est bien, hein? Le reste, t'as vu? C'est de la position, c'est lourd. Hein. Alors Inès, ça va, la famille, tranquille?
C'est beaucoup plus collé que la dernière fois. À chaque fois, ça va de plus en plus loin. Check. Ouais, c'est chaud. Hein. Il force, mais. Ok, ok, ne vous inquiétez pas. C'est chiant. Hein. Regarde. 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien calme, relâché. En parinès. 1, 2, 3, sommeil profond, tu es bien calme, relâché. Je t'enfonce tranquillement au plus profond de toi-même. À partir maintenant, vous êtes totalement décollé de ce support. Et vous allez maintenant entrer dans votre esprit un ordre. Cet ordre hypnotique qui est tout simplement que chaque induction, chaque demande deviendra pour vous un ordre absolu. Et durant tout le tournage, et je compte 1, vous remontez tranquillement parmi nous. Je compte 2, cet ordre s'imprègne dans votre esprit. 3, vos yeux s'ouvrent maintenant. Alors, ça va gros. Ce qu'on voit les yeux, ça s'appelle le REM. T'es comment toi? J'avais l'impression de dormir. Je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. Alors, comment ça va? On est heureux? Ouais. En fait, je sais pas comment je suis là. En fait, je sais pas si je suis hypnotisé ou pas. En fait, je suis trop bien là. Il est pas hypnotisé, il est teasé. Et tu vas tranquillement te transformer en musicien. Poser ici entre tes mains une trompette. Tu serres bien fort cette trompette. Impossible pour toi de la relâcher puisque tu es devenu le plus grand trompettiste de la planète. Tu relèves les maintenant. C'est hella ça. Va jouer en air. J'ai jamais eu lui. Bah quoi lui? Bah la trompette frérot. Ce modèle là tu l'as pas eu? Jamais frère. Ça fait combien de temps que tu joues de la trompette? Pas, j'en faisais quand j'étais petit. Bah ça fait longtemps en vrai. Hein. Il est bizarre. T'as rien frère. Si ça marche. Bah non, je t'ai pas entendu toi. C'est un faux. Mais non, c'est vrai, frère. Dis, là, tu fais des fausses notes. Tranquillement, à haute voix, comptez 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, mais tu seras dans l'incapacité la plus totale de te rappeler ou de prononcer le chiffre 5. Si bien que je retire maintenant le chiffre de ta mémoire. À partir de maintenant, tu es dans l'incapacité la plus totale de te rappeler ou de prononcer. Il va nous faire une liesse, Michou là. D'ailleurs, toujours les yeux hermétiquement fermés, toujours dans cet état de calme, de paix et de bien-être. Si je te demande maintenant de compter jusqu'à 10, tu comptes maintenant. À haute voix. 1, 2, 3, 4. Rien, c'est une faux. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Ouais, c'est bizarre quand on revient. Juste, j'avais une question à te poser. En tout, t'as combien de doigts sur les mains? En tout, en tout. 10, tu peux les compter? 1, 2, 3, 4. C'est pas 6. Là, vous m'avez mis un truc des trompettes. Ils m'ont mis un truc, frère, ça sonne pas et ils ont mis un truc dedans. Eh, ça nique les trompettes, les gars, ça. Hein. Ça va peut-être marcher, réessaye une dernière fois. Branche-toi en arrière. Déjà, avec de l'eau, c'est pas possible. Mais non. La main est complètement serrée autour de cette baguette de sorcier, si bien que lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu n'auras qu'une seule envie. Jeter des sortilèges en scred, un peu à tout le monde. Trois, tes yeux s'ouvrent maintenant. Ça marche plus. Ça marche plus. Ça marchait, mais là, ça marche plus. Là, là j'ai vu que c'était un stylo. Ton prénom, tu m'as dit que c'était. Ah, d'accord, ok, tiens, tu regardes ici, un, deux, trois. Tu es bien calme, relâché. Mais tu seras dans l'obligation la plus totale d'avoir oublié ton prénom. Trois, tes yeux s'ouvrent maintenant. Ça va? Ouais. Yes. Par contre, je suis un peu au niveau des. Ton prénom, c'est. Elle, c'est. Apolline, Miguel. Et toi, ton prénom? C'était bah c'est bon là, tu peux souffler. C'était le réservoir de bave. Yes. Tu l'as bu tout à l'heure. Non, c'est pas ma bave. J'ai jamais eu. Elle est pas à moi. Elle a qui? Ça marche ou quoi? Ça a marché? Yes, non, vas-y. Yo! Vas-y, tu joues bien mec, continue. Ça fait des années aussi, non? Ça fait. Non, pas trop. Hier. Hier? Vas-y, refais un coup. Et tu t'appelles comment? Ouais, je la connais pas, elle est bizarre. Prends peut-être une plus grosse inspiration. Les notes, elles sont bizarres. Je sais pas. Ça va toi? Tu es bien calme, moi. Là, j'ai à partir de maintenant. Dès que tout le monde aura le dos tourné, tu seras dans l'obligation la plus totale de faire une petite roulade en scred. Oh putain, yes! Je me suis chauffé là. À partir de maintenant, je viens juste te mettre l'âme d'un kleptomane, l'âme d'un voleur. Ça va toi? Tu redeviens normal maintenant. C'est quoi que t'as entre les mains? Une bouteille. Je bois pas de Badoit déjà. Qu'est-ce que tu as avec la bouteille? Pourquoi t'as une plante et une bouteille? Pourquoi t'as une plante et une bouteille? T'as bousillé ça. Gros, tiens, ta bouteille. Merci. Je veux de la trompette, frère. Ça te rappelle rien, ça? Bah, tu faisais tout le. Bah, non, frère. Par contre, Tommy, je suis en train de voler quoi? Mais non, gros. Pourquoi tu es dans ta main? Je l'ai dans les mains. Téléphone de Valou, ça? Ouais, parce que tu me l'as donné. Ah ouais? Ah ouais? Je l'ai pas donné. Tu me l'as donné en vrai. T'as un voleur. Tu filmais, t'as dit tiens, tu me l'as donné gros. Tu me l'as mis dans les mains. Moi j'ai rien fait frère, c'est à moi. Oh mince. Il a dit c'est à moi. Il l'a mis dans sa poche. Il l'a mis dans sa poche. Mais gros, tu me l'as donné. Tu lui as volé là. Je jure, il filmait, il disait pour la vidéo d'Inox, tiens. Et du coup, il veut plus me le rendre. Bah non. Mais tu me l'as donné. Il veut plus me le rendre. On est d'accord, c'est normal. Ouais, bah oui. Bref. Tu es bien calme, relâché, je t'enfonce tranquillement au plus profond de toi-même encore. À partir de maintenant, je viens juste changer ton comportement puisque tu n'es plus du tout toi-même. À partir de maintenant, tu es tout simplement Arouf Gangsta. Tu marches comme Arouf, tu parles comme Arouf et même si tu veux, tu peux aller te chercher un coca bien frais, chacal. Trois, tes yeux s'ouvrent maintenant. Quoi? Pas de sa gueule. Crie pas le plus beau des rebeux.
sait pas qui je suis, moi. C'est un malade, du monde là. Il sait pas t'es qui. Tu vas au gangsta, t'as capté. Je connais pas le plus beau des rebeux chacal. Attends, pas alors, j'ai pas dit prénom de tout le monde. Tu m'as dit ton prénom, c'était Romain. Romain. Apolline. Christian. Christian et Arouf. Qui s'appelle Christian? Christian? Ah, bah, Christian et Arouf, quoi, bah, normal, quoi. Christian, ma gueule. Christian. Tu seras dans l'obligation la plus totale de faire une petite roulade en ski. Que tu me dis? Il a fait une vraie roulade. T'as une zigounette? Ouais. Elle est grosse? Je sais pas regarder. Coca bien frais chacal. Tiens, tu bouges pas, regarde, tu bouges pas. Tu me les fais à moi, regarde ici. 1, 2, 3, 5. Tu es bien calme, relâché. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vesser. Tu es bloqué, vissé, serré ici. Tu vas t'apercevoir que lorsque tu vas ouvrir les yeux, en face de toi se trouve tout simplement une Bugatti Veyron. Oh, tes yeux s'ouvrent maintenant. Cadeau, cadeau, c'est éteint, c'est ton anif. C'est ton anif, ma gueule. C'est ton anif, frère. Non, c'est pas vrai. C'est ton anif. Est-ce qu'elle est dard? Mais gros, elle est incroyable. Pour toi. J'ai pas le permis. On s'en fout, frère. On s'en fout. On dira pas. On dira pas, frère. Ça vaut combien, ça, Michaud? Mais frère, je sais même pas. Ça vaut au moins 300 000 euros. 300, ouais, on l'a acheté, ouais, dans les 500. Eh, hey, mec, en deux ans, frère. La peinture, très bien. T'aimes bien la couleur? Ça me gêne. La couleur? Mec, nickel. Mais gros, tu, je te dis quoi? Toi, attends, je vais mettre un peu d'essence. Je mets un peu d'essence. Mais pas dans le volant, mec. Ah merde. Ça touche pas, gros, touche pas. Attention. Ouais, t'es sérieux? Non, mais c'est solide, frère. Attends, c'est solide, gros. Ça voit. Non, mais t'es pour tester. Fais attention, fais gaffe. Je peux la conduire? Confort ou pas? Mais gros, ça me fait peur. Là, c'est pour accélérer. Là, doucement, parce que ça. Si, là. Tu es bien calme, relâché. Tu vas voir que lorsque tu vas appuyer sur la pédale, tu auras l'impression de rouler à 250 km/h sans qu'une puisse rien y faire. Ça me dit. Il a pas l'habitude. Fais belek. Écarte le volant droit. Je contrôle rien, frère. Ouais, t'es belle. Il a pas. T'es un fou, tu vas trop vite là. T'es allé à de 0 à 100 en 2 secondes. Eh bah, chacal. Non, mais tu vas d'habitude. J'avais oublié. Oh, je l'ai fait tomber dans le car. C'est pas toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Si, je te jure, j'ai pas tombé. Non, mais gros. Non, je dis pas. Non, y'a pas de téléphone dans le kart, y'avait pas de téléphone. On est d'accord, y'a pas de téléphone. Y'a rien, frère. Je vais voir ton téléphone à vous. Juste là, il est en train d'embrouiller mon gars là. J'ai pas de téléphone. J'ai gagné deux. Non, mais regarde. Mais je te crois pas, je te crois pas. 200 millions, mec, regarde. C'est quoi? Attends, je vais vérifier, je peux. Non, non, attends. Y'a quoi? Il a gagné 200 mec, millions sur son ticket. 200 millions. Il nous fait humilier. Attends, doucement, mec. Arouf, il est chaud. Il a voulu lui péter. Il a peur de Arouf. Gangsta. Tu fais quoi? 200 millions, mec! Bah arrête! Mais regarde! Et Michou, il va arriver, il va lui péter. Tu vas faire quoi avec les 200 millions? Je sais pas, frère, je régale tout le monde. Hein. Si vous avez des trucs, vous m'envoyez, vous me dites et tout, je vous prends ce que vous voulez. Hein. J'ai gagné 200 millions, mec. Et 200 millions! Putain, non! Attends, fais voir! Pas de, mec, pas de soucis. Ah ouais? Quand tu veux. Attends, je suis pas sûr que t'as gagné. Je suis pas sûr que t'as. Mais fais voir, frère! Bien écrit 200 millions? Ouais, mec! Non! Wesh! T'as capté le bail, Chaka! Mec, attends, ah, non, mais attends, mais laisse. Fais gaffe, ne déchire pas, je fais attention, mais je fais attention, mais je veux juste voir. T'as regardé là? J'ai pas regardé, tu me laisses pas regarder. Mais lâche-moi. Tu vois trop... Michou, on te voit. Michou. Mais arrête de me regarder. Il y a une caméra qui te regarde. Ouais, fais gaffe. Mais je regarde juste. Mais lâche-moi. Attends, elle est où ma voiture? Mais je fais quoi, toi? Mais mec, il fouille dans mes poches. T'as perdu, frère. Mais attends, elle est où, frère? Mais c'est 300 000 balles. C'est qui a touché? C'est Bouzy, c'est Bouzy. T'as raté une enflure, frère. Non, non, c'est la voiture. Ah ouais. Je t'en rachèterai une, mec, t'inquiète. Bah, 200 millions. Et arrête d'essayer de me voler mon truc parce que c'est quand même moi qui ai gagné, mais je t'en rachèterai. Putain, mais je l'avais pas fermé, gros. Non. Non, mais... Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. C'est non loin de la belle ville de Rennes, dans un local que deux adolescents se chamaillent en mode secret story. Ils vont vous raconter leur histoire. Enfin, j'espère. Wesh, frère. Non, je vois si elle tient. Sérieux là? Je voyais juste si elle tenait. Fais gaffe, putain. Mais gros, je te jure, j'ai pas fait exprès. Mais mec, c'est la deuxième fois. Je voulais juste voir si ça tenait. Mais t'inquiète. Mais tu voulais voir quoi, gros? Tu tapes deux. Wesh. Wesh. Sérieux, frère? Tu crois que je t'ai pas vu? Les gars, vas-y. Arrêtez, bougez. Laissez-la tranquille. Wesh, faites attention. Ouais, les gars là. Eh gros. C'est pas drôle. C'est bon, c'est une blague, mec. Ah, pas de taf. C'est une blague. Mais gros, t'inquiète. Excuse-moi. Il va réparer comment? Mais t'inquiète. Mais frère, il a rayé, frère. Mais je te la paye, frère. Mais c'est marrant. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud, par contre. Je suis jaloux, moi. Oui. Tournez la normale maintenant. Tu fais quoi, Michou? Eh, mon rêve, t'as failli me taper, gros. T'as failli me gommer là.
La vie d'homme. T'as quoi dans tes poches? Mais gros. Attends, il a volé tout ce qu'il a trouvé. Mais attends, mais t'as des clés de quoi là? C'est des clés de voiture. T'as des clés de voiture. C'est pas moi. Il a trois têtes. J'avais même pas vu, il en avait trois. Ma gueule, je l'avais pris de votre gros. J'ai pas fait exprès. Ça, frère, dans ma tête, c'était une Bugatti. Genre, tu voyais une Bugatti? Même pas. Vous voyez ça? Ouais. Mais c'était une Bugatti. À chaque gorgée, tu vas prendre, tu vas devenir de plus en plus alcoolisé, de plus en plus bourré. Moi, un petit coup, ça va te faire du bien parce que. Trop bien la soirée en vrai, on s'amuse de ouf. Est-ce qu'il y a Mich? Non, t'as mis de la vodka? Non! Bah oui, c'est la vodka de. Oh non, c'est la vodka que t'as mis de. Ce soir? C'est vrai que c'est. À consommer avis. Avec modération. Ouais, à consommer avec modération. Vas-y, moi j'ai trop soif. Vas-y, cul sec. Sec. Mais t'es un fou. Fais gaffe, je vais te bourrer. Ah ouais, c'est un ouf. Mais mec, t'es un baiser. Mec, c'est dégueulasse, t'arrives à boire ça. Mais sans frère. Wouah! C'est la même que moi celle-là? Je vais peut-être être défoncé, hein, mais. Allez, vas-y! Oh, il est chaud! A few moments later. Oui, il est mort tout seul. C'est dégueulasse, frère. Essaye de te lever. Mais gros, tu me crois pourquoi? Ouais, t'es un peu bancal quand même. N'importe quoi, frère. Vas-y. Et si tu tombes, c'est mort. Tu fais ça et tu te pinces le nez. Ouais, voilà. Mais je suis pas bourré. Bah vas-y, essaye. Wow. Un peu quand même. Tu tangues là, tu tangues gros. Marche droit sur la ligne là jusque là-bas. Mais gros, je te dis que je suis pas bourré. Wow. Ouais, il est dead. Ah non, elle est complètement folle. Faut boire de l'eau, faut boire de l'eau, Michel. Et lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu regarderas derrière le canapé, assis dans le siège de la voiture, tout simplement, Kylian Mbappé. Une seule envie pour toi, aller l'accoster, lui demander une photo, mettre sur ton Instagram. Trois, tes yeux s'ouvrent maintenant. Jure, il est là, Valous. Jure, il est. Kylian, frère. Kylian Mbappé. Kylian, mais non. Il est pas encore arrivé. Attends, mais il arrive au local, là. Il est là, frère. Mbappé gros. Mais non, champion du monde. Carré. Il est où mon tel? Il est là. Il va partir. Il va partir dans pas longtemps. Il va partir. Oh, c'est Mbappé. On peut faire une photo gros? Ouais. Oui. Il répond pas. Il répond pas. Non mais tape ta photo, c'est mieux. Il va partir. Il est là pour ça. Que tu l'as invité dans le local, Bouzy, c'est un truc de fou. Comment t'as fait, Bouzy? Bouzy, t'es vraiment. T'as des contacts. Check-le, wesh. Pour ton anniv encore. C'est vrai? Il est venu pour toi. Mec, pour moi? Mec, je suis gêné, gros. Bah oui. T'as fait ta photo avec? C'est pas tous les jours que tu vois Mbappé, hein. Elle est dard, gros. Mais ouais, Bardo. Oh, elle est dard. Oh, mec, elle est incroyable. Gros, les gens, ils vont être choqués. Moi, c'est stylé, hein. Trop de chance. Attends, j'écris trop de chance, direct. Mec, trop de chance, tu l'as vu aussi. Ouais, je sais, mais. Il est trop con, frère. Il est trop con. Et gros, il rigole tout seul. Il met un commentaire de la photo. Trop de chance, alors qu'il l'a vu. Ah ouais. Oh, Inox, il est pote avec. Ah ouais, gros. Mec, c'est trop. Ah, je lui mens. Qu'est-ce que tu fais, gros? T'es malade. Champion du monde. Oh, ça va, gros. Gaffe. Vous êtes... Elle a voulu me taper. Mais faites attention, wesh. Franchement, regarde, tu regardes ici, le sommeil profond. Lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu vas t'apercevoir que Mbappé est parti et que tu es juste en train de dormir collé à la nouvelle go. Tu verras la femme de ta vie posée à côté de toi, ta main posée dans la sienne. Une seule envie, la présenter à tous tes amis ici qui ne la connaissent pas encore. C'est aujourd'hui, juste après ton anniversaire, que tu as décidé de présenter ta nouvelle meuf. Oh, tes yeux s'ouvrent maintenant. Wesh Mich, tu présentes pas. Par contre, parle mieux. Je vous présentais Eva, les gars. C'est ma copine. Elle a des poils. Vraiment, je la trouve vraiment jolie. Elle a des quoi? Ferme ta gueule, toi. Elle est pas mal. Wesh. Wesh, vous êtes bizarre. On nous montre le bisou. Le bisou. Trop gênant. Mais gros, t'es sérieux? Wesh, tu fais quoi? Y'a rien fait, frère. Bouge de là, frère. J'étais assis, frère. Mais gros, t'es bizarre. Et j'ai rien fait. Ils sont chelous. Ils rigolent. Et alors, vous l'avez déjà fait? Vas-y, dire tes questions cheloues, toi. Bah, c'est pas une question chelou. Bah, non, c'est normal, frère. Ça te regarde pas. Frère, mais vous êtes trop gênant. Inox? Ouais. Oh, mais merde, Eva. Ça va? T'es sérieux? Enfin, attends, excuse-moi. Oh, je fais attention. Tiens, Inox, c'est chiant. Oh, merde. Wesh.
Oui, je fais attention, frère. Bah, Michou, fais-lui un bisou magique. Fais-lui un bisou magique, là. Non, frère, on est plus des gosses. Mais frère. Ah, non, mais déjà, profond, tu veux bien calmement lâcher, je t'enfonce tranquillement. D'ailleurs, lorsque tu vas prendre ton téléphone portable et que tu vas ouvrir ton Instagram, tu vas t'apercevoir que tu es passé à 1900 abonnés. Uniquement 1900 abonnés sur Instagram. Ouais, la vidéo d'hier. La vidéo d'hier, elle avait marché. Ouais, ça va, hein, les gens, ils ont kiffé de ouf. Ouais. Bah, j'ai l'impression que Michou, les gens, ils sont tous. À cause. Ouais, ils aiment pas trop. Comment ça, ils aiment pas trop? Bah, genre, on a fait une vidéo et t'as dit un truc et les gens, ils sont un peu genre. Ouais, qu'il y a une petite chute d'abonnés, mais c'est pas putain. Genre, t'as perdu un peu d'abonnés. Un peu, mais c'est pas. J'ai perdu combien? Montre. J'ai perdu des abonnés. Tu lui avais dit? T'as combien là sur Insta? Bah, t'inquiète, Insta. Minimum, frère, bien. Wesh. C'est pas possible. T'as combien? Wesh. Ah, mais je pensais pas autant, moi. J'ai 1900 abonnés. Quoi? Mais gros, c'est pas possible. 1 million. Mais frère, hier j'avais 1 million. Bah ouais. Combien? J'ai 2 millions. J'ai plus d'abonnés. YouTube l'a vu. Mais frère. Ah, mais t'as fait quoi, Michou? Bah ça veut dire ce qu'il a fait, c'était vraiment chaud. Michou, t'as fait quoi? Mais j'ai rien fait, frère. J'ai fait quoi? Pourquoi tu me dis que les gens ils se désabonnent? Putain, non, mais moi j'ai le seum pour what? Eh, mais Bouzy, Valouz, on va l'aider. C'est pas possible. Mais frère, on va t'aider. Non, mais c'est pas possible. Si je sors une vidéo, va faire des. Tout le monde prend son portable, on sort le portable et on fait sur nos stories une petite pub pour toi, quoi. Mais ils sont tous partis. C'est pour une raison. C'est toi qui parles et tu lui. N'hésitez pas à les abonner à sa chaîne. Je vous mets tout en swipe up. Eh les gars, Michou il a perdu tous ses abonnés, il est juste là, il est triste. Est-ce que vous pouvez vous réabonner à son compte? Je vous le mets juste là. Il a 1900 là. Il a perdu tous ses abonnés. Tiens, est-ce que tu veux leur dire un truc? Les gars, je comprends pas. T'es à 1900? Il est plus qu'à 1900 abonnés, les gars, faut faire quelque chose. Moi je te connais pas assez, Michou, je suis désolé, je préfère pas être lié à ta perte d'abo et tout. Quand il y a un bad buzz, des fois, mieux vaut savoir s'écarter et du coup, tu vois. Mec, il y a aucune explication nulle part. Mais mec, c'est pas possible, c'est un bug. Ouais, je préfère pas prendre de risques. Ouais, t'as un vieux mec. Non, mais en vrai, je comprends. Il a raison, vous. Il va pas se mêler à mes histoires, mais. Oui, il est trop gentil. Vas-y, tu peux pas, tu peux même pas chercher l'embrouille. Au bout de la peine. Bah ouais, là je peux pas. Non, Michou. Oh, regarde, demain, tout le monde va se rabonner. Mais qu'est-ce que t'en sais, frère? Mec, j'ai perdu 1 million d'abonnés en un jour. C'est vrai qu'au moins t'as fait un record. Mais t'as 1900 abonnés. T'as 1 900 000, frère. C'est juste, tu vois mal. Mais t'es hypnotisé, c'est pour ça. Tu sais que t'es hypnotisé là. J'ai 1900. Hein. Non, mais là t'es hypnotisé, tu le sais. T'es hypnotisé là. Tu sais que c'est pas vrai. Je vois 1900, gros. Non, t'as 1 900 000, mais gros, tu fais semblant. Hypnotisé. Là, t'es hypnotisé, c'est pas vrai. Rien qu'à changer. Tu te rappelles ma vidéo quand j'ai fait avec l'hypnose? C'est pareil là. Rien qu'à changer. C'est pour ça qu'il filme. Ouais. Mais là, j'ai 1900 abonnés, frère. Non, t'as 1 million. Regarde, t'es 1900 abonnés. Tu vois les 1900 abonnés? Ouais. Regarde, à partir de maintenant, ça va devenir 1 900 maintenant. Y'a combien là? Là c'est bon, frère. T'as tout récupéré. Carré. Mec, c'est incroyable, en vrai c'est de la magie hein. Je suis bien là. Bon bah les petits frérots, la vidéo touche à sa fin. On a fini cette session d'hypnose. Merci Pierre, le merci boss à toi. Michou, Fabien, vous avez été les deux plus gros cobayes hein. Et c'est quoi votre ressenti un peu là? Mec, là je suis perdu, mais en vrai je sais pas, c'était bizarre comme sensation. Comme dans un rêve un peu. Et toi Fabien? En fait t'as l'impression que t'es entre deux trucs. T'es entre le... Tu sais ce qui se passe, t'entends, tu comprends tout. Mais en même temps tu peux pas trop gérer. Et t'es en pile poil entre les deux. Mais tu te sens trop bizarre et tout, tu vois. J'ai l'impression que plus tu le fais, si on change des trucs ou quoi, bah tu vas t'en rendre compte et après tu pourras plus vraiment le faire, tu vois, être dans l'hypnose. Et PJ, elle était vraiment en mode tu pionçais. Moi j'étais plus moi-même, genre en fait j'étais ailleurs, j'avais le regard hyper vide. Je sais pas, c'était hyper chelou. Et j'avais froid, j'avais peur froid. Moi ouais, j'avais froid. Je sais pas pourquoi j'avais aussi froid, mais bête d'expérience. Moi maintenant tu sais quoi. Ouais. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Pierre. Merci à tout le monde qui a participé à la vidéo. Merci à vous deux. On peut vous applaudir. Bye tout le monde.